présentation à la population du contrat d'aménagement du bourg. Monsieur Michel Hiller, maire de la commune, vous parle. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons faire ensemble un petit bout de chemin. Nous allons faire ensemble un petit voyage au cœur de la commune, au cœur du bourg qui est lui-même le cœur de la commune, au cœur également de l'histoire de la commune, et peut-être allons-nous essayer de toucher le cœur de l'avenir. Nous allons tenter de faire un voyage avec nos pieds, bien sûr, mais aussi donc avec nos têtes. Nous allons essayer de faire un voyage au pays de l'imagination et au pays de la création. Tant il est vrai que la création n'est pas forcément réservée au domaine artistique, mais au domaine aussi de l'urbanisme et de la vie en société d'une manière générale. Rien n'est ici, à mon avis, par hasard. Ni la mairie, au cœur du village, ni le maire, sur les marches de la mairie, ni la poste, ni tous les services publics de notre commune. La disposition des choses dans ce village n'est pas le fait du hasard. Notre village a été bâti près du fleuve, autour de la maison commune, de l'église et des services publics. Tout ça, me direz-vous, fout un peu le camp. La poste menace de disparaître, l'église ne fait pas recette comme elle l'a fait, certains mettent en doute le rôle du maire et de la mairie. Eh bien, je crois aujourd'hui que ce petit voyage est là pour vous inviter à imaginer, à créer, de ne pas laisser simplement aux autres le soin de décider, aux techniciens ou aux financiers, mais d'essayer ensemble d'imaginer ce que pourrait être notre village de l'an 2000. Donc, ensemble, citoyens, nous avons décidé de réfléchir à notre commune de demain et de mettre ensemble dans le pot commun des idées, le pot commun de l'avenir, toutes nos réflexions. C'est le but de cette soirée. Elle a été précédée par d'autres initiatives, mais la discussion est permanente. Elle le sera demain autour de vos écrits, autour de vos réflexions. On vous distribuera des feuilles pour écrire et noter les choses que vous avez remarquées. Un petit mot peut-être d'explication sur le fonctionnement de la soirée. Nous allons d'abord faire un petit tour du bourg. Et d'abord, nous allons commencer par la partie la plus dangereuse, la route nationale 113, avec toutes ses nuisances et ses 10 000 voitures par jour. C'est l'heure de pointe. Je vous demanderai de rester sur le trottoir de droite et de ne pas le quitter. Surtout pas d'aller sur la route, effectivement. Dans la rue de la Manne, les choses sont peut-être plus simples. Ensuite, nous verrons et nous écouterons des scénettes qui ont été réalisées par M. Benedetto, écrites par M. Benedetto, André Benedetto, ici présent, et qui sont tirées de délibérations du conseil municipal de la commune de Saint-Pierre-d'Aurillac. Ensuite, nous visiterons l'exposition qui fixe les grandes lignes du projet pour l'avenir, et nous aurons ensuite un petit débat autour de cette exposition, avant d'arriver inévitablement à l'apéritif et à toutes les cochonneries qui suivront. Merci beaucoup.